petit Jean. Mon enfant adoré. Ne fais pas d'imprudence. Écoute-moi, je t'en conjure. Fais ce qu'il faut. Pas plus. Tu me comprends bien, dit, que j'ai de peine de ne pouvoir t'en dire davantage. Vos souffrances sont cruelles, certes, mon cher Paul, mais la cause pour laquelle vous souffrez est si belle qu'elle embellit tout. Goûtez la nuit hors de France, voilà la seule chose qui compte. Et je m'étonne un peu du ton de votre dernière lettre. Je prie chaque jour pour nos soldats et pour vous. Vive la patrie sacrée, et que pour elle, tous se montrent des héros dignes de nos aïeux. Pas voulu de moi il y a 2 ans. T'as mieux aimé t'y marier avec la Jeanne. C'est donc bien fait que t'es cocu au jour d'aujourd'hui, et je devrais même pas m'occuper de toi, mais c'est plus fort que moi. Le pays est trop malheureux, et je veux pas qu'un poilu comme toi soit dupe. Alors je te dis que si tu veux avoir un gosse qui te ressemble, tu ferais pas mal de t'en venir en perme. Sans ça, il pourrait bien ressembler au mitron à tournier. À bon entendeur, salut. On se tient vieux père. Et grine. Bête mère, abré nuit et jour, tu pourrais au moins avoir pitié d'elle. Hein, qu'est-ce que tu pourrais lui approcher, elle? Pas surtout, maître Dédé. Écris-nous. Mon amour chéri, rien ne va plus à la maison. Vraiment, si t'as ni plus tenir, plus chauffage comme tu sais. Et crois-tu qu'on n'a pas encore remis les tapis? Tu devrais bien l'écrire toi-même au propriétaire du front, tu comprends, cela aurait plus de poids. Ajoute à cela que Léontine s'en va ce soir à Montpellier pour y voir son frère qui a été évacué. Pauvre fille, oh, je ne dis rien, mais je te le demande, à quoi va-t-elle servir là-bas? Oh, mon Dieu, mon Miri, quand finira-t-elle cette guerre que nous puissions reprendre notre petite vie d'amoureux? La vois-tu, ta Dédé, dans son grand appartement, froid, n'ayant pour toute compagnie que sa cuisinière. Je suis très malheureuse. Dolly est morte hier. Le vétérinaire a été obligé de la piquer. J'ai pleuré toute la nuit, je pleure encore. Oh, c'est moi qui est là pour partager.